La structure de la pièce est construite autour des découvertes, en fait. Donc, en fait, elle se construit un peu comme un jeu de piste, voire une enquête policière, mais des sentiments. La pièce, finalement, fondamentalement, part sur une fausse piste. Une vraie fausse piste, puisque le personnage principal croit dur comme fer qu'on lui a légué cet atelier pour une raison purement artistique. C'est quelqu'un qui admirait son travail et qui lui lègue ça en récompense à son immense génie. Et il va s'apercevoir finalement petit à petit, il fallait pas que ça soit brutal, donc petit à petit pour créer un suspense, que c'est pas du tout pour ça que cet atelier a été légué à cet homme.